Mes bien-aimés frères et sœurs, Balinga Mirangai, Bandeko Basimpe Babali, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Toko pesa biombote rankombo na Yesu Christo. Oui. Eyo. Il y a une sœur qui vous a salué. Il y a une sœur qui vous a salué. Et joami na ndeko mwasi moko apesi biombote. La sœur José Tibanda en Belgique. Ndeko mwasi José Tibanda kuna na Belgique. Elle vous a salué au nom de Jésus-Christ. Apesi biombote na kombo na Yesu Christo. Oui. Eyo. Nous pouvons nous mettre debout. Et nous allons lire une portion de l'Écriture. Nous sommes en psaume 130. Nous sommes en psaume 130. Psaume 130. Verset 5. Nous lisons. J'espère en l'Éternel. Na kolikia na Yahweh, mon âme espère. Boli monangai mo kolikia. Et j'attends sa promesse. Pe na kolambela elakanae. Et j'attends sa promesse. Pe na kolambela elakanae. Mon âme consulte le Seigneur. Boli monangai mo kotale lankolo dikolo nankolo. Plus que les gardes ne comptent sur le matin. Kolokayo te babateli bakojelaka dikolo nantongo. Israël, Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Car la miséricorde est auprès de l'Éternel. Et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Nous chantons ce petit cantique. Tokoemba loembo ya moke. Après quoi nous allons prier. Esi malango tokobondela. Quand cette terre repassera, tu m'attends dans l'au-delà. Tout est prêt pour tes élus. Je suis l'une de tes brebis, toi Jésus. Tu soutiens ma foi, mais voici, je suis à toi. Je te loue, oui mon rocher. Car en toi, mon cœur espère. Je te loue, oui, mon rocher. Car en toi, mon cœur espère. Quand cette terre passera, m'attends dans l'au-delà. Tout est prêt pour tes élus. Je suis l'île de tes brebis, toi Jésus. Toi Jésus, soutiens ma foi. En toi, mon cœur espère. Katinayo motema mwanga ibokolikia. Mes bien-aimés frères et sœurs. Balinga minanga bandeko basimpe babali. Quand cette terre passera. Tango mabele oyo makoleka. Le Seigneur nous attend. Kolo a kozela biso. Tout est prêt. Nyonso esili koselingwa. Pour ses élus. Pona bapona minaye. Oh
je suis l'une de ces brebis. Oh, nazali moko kati na bampate na ye. Prions ensemble, mes amis. To bonde lelongi bandeko. Je n'ai rien fait de spécial devant toi et tu m'as choisi. Tu m'as choisi tel que je suis, pauvre pécheur que je suis, misérable que je suis. Zambe tata na nkolo na biso Yesu Kristo. Dieu le Père du Seigneur Jésus Christ. Ozaliko tondo yo po na bolingo na yo, ozaliko renouvelé lisusu. Nous te remercions pour ton amour que tu renouvelles encore. Nous te remercions comme tu nous as conduits hier à travers ton Saint-Esprit. Et c'est Pélissayo dans ta grande souveraineté. Qu'il te plaise dans ta grande souveraineté. Et au Kambabiso Lissusu n'a pas quoi y aller là. Pour que tu puisses encore nous conduire ce soir. Donne-nous la nourriture appropriée ce soir. Utilise Lissusu une fois de plus Moussali na Yonkolo. Utilise encore une fois de plus ton serviteur. Méditation à moto Elongwa na nzela. Que la méditation personnelle quitte sur le chemin. Le ministère qui est l'esprit et koka kokoba Moussali na yango. Et que le ministère qui est l'esprit puisse continuer son travail. La lecture qui est lue ce soir soit bénie. Les lecteurs, l'auditeur et ceux qui mettent en pratique et nous soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Nous attendons la grande promesse de ton retour. Donne-nous la capacité de se préparer, Seigneur. Ôte-nous de toutes les distractions et qu'on soit prêt pour ton retour. Que tous nous soyons bénis du début jusqu'à la fin. Que tu fasses de grandes choses parmi nous ce soir. Comme tu pouvais inspirer hier ton serviteur.
Il a senti que makambango ezali mo likolo par rapport na biso. Il avait senti que les choses étaient un peu beaucoup plus supérieures par rapport à nous. Ce qui peut encore simplifier na lolenge na niveau na biso et tout ce cela. Si tu peux les simplifier à notre niveau pour que nous comprenions, la gloire te sera rendue. La révélation, toi, tu les donnes à une seule personne. Et tous nous arriverons à la même connaissance pour la comprendre. Élève-nous dans les lieux élevés en Christ. Si nos yeux ne voient pas bien que nous puissions voir, si nos oreilles nous n'entendons plus bien que nous puissions entendre comme les disciples entendent. Que les malades soient guéris. Que tous nous soyons consolés. Que la bénédiction de la chair jusqu'au dernier banc. Que tu pousses tes enfants, fils comme filles, qui sont encore en cours de chemin. Tout ce que nous puissions entrer dans la scène pour que tu puisses nous parler du haut des cieux. Merci pour Nabilaka. Merci pour tes promesses. Merci pour Nakotina Abiso Yesu Christo. Merci pour nous avoir envoyé Jésus-Christ. Merci pour Nakotina Abiso Basali Katina Abiso. Merci pour nous avoir envoyé des serviteurs parmi nous. Nous te remercions, Seigneur. Conduis-nous dans les moindres choses en Christ. Nous savons que tout ce que nous allons demander au nom de Jésus-Christ, toi, tu vas honorer ces noms. Toutes nos demandes. Que les frères qui ont écrit ceux qui n'ont pas écrit. Nous l'associons tous à un même endroit. Nous te prions, toi, Père. Mais au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous appelons notre bien-aimé frère Joseph. Toko bianga molinga mina biso ndeko Joseph. Na pesi basombote katina kombo ya nkolo Yesu Kristo. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tokoko vanda. Pouvons nous asseoir. Nous revenons sur la parole d'introduction. Benasima, Tokobakisa, Makomi, Masusu. Après quoi, nous ajouterons d'autres écritures. Jembo kama na tukumisat. Psalm 130. Tokoko banda tamulungo moyambo. Nous pouvons commencer même à partir du premier verset. Du fond de l'abîme, je t'invoque. Oh Yahweh. Uta libulongo mozindo nakobelela yo. Oh Yahweh. Seigneur, écoute ma voix. Nkolo, yoka mungongo nangai. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Tikete matoyi mayo, mazala na bokebi na mungongo ya malombo nangai. Si tu gardais le souvenir des iniquités, éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Soko batelaka ekanisela yango yabokeseni nangai Yahweh Nkolo, nani akokaki kotelema? Si tu gardes le souvenir des iniquités, soko batelaka ekaniseli ya babokeseni, éternel Seigneur Yahweh Nkolo,
qui pourrait subsister. Mais le pardon se trouve auprès de toi. Et cela a fait qu'on te craigne. J'espère en Yahvé. Mon âme espère. Et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur. Plus que les gardes ne comptent sur le matin. Mon âme compte sur le Seigneur. Plus que les gardes ne comptent sur le matin. Koleka babateli oyo batalelaka tongo. Israël. Israël. Mets ton espoir en Yahvé. Tia yelike na yo kati na Yahvé. Car la miséricorde est auprès de Yahvé. Jambi mawa ezali epai na Yahvé. Et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Amen. Balinga mbikati na nkolo. Bien aimé dans le Seigneur. Israki loyembo na David. C'était le psaume de David. Mais dans l'esprit. Kasi katina ilimo. David en esprit. David katina ilimo. De akukaki kuyemba loyembo lona. C'est ainsi qu'il pouvait chanter ses cantiques. Psaume na eza katina ilimo nde abande kuyemba yango. Ce psaume c'était dans l'esprit qu'il le chantait. Et si tu regardes ici, il y a beaucoup de choses. Nakati aloyembo yango. Dans ce psaume. Oyo lelo biso toko bikela. Donc aujourd'hui nous expérimentons. Donc il y a yembaki, mais biso nde ba bénéficiaire. Alors lui a chanté, c'est nous qui en sommes des bénéficiaires. Oui. Yo. Verset 2, Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Et si tu regardes bien, awa na moko petelo. Ici dans 1 Pierre. Nous lisons comme ceci. C'est la citation des proverbes. Dans verset 10, au verset 10, il y a chapitre 3, il y a 1 Pierre. Chapitre 3 de 1 Pierre. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie, donc, Akani Kolinga Bomoy, et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, et ses lèvres de paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal. Et fasse le bien. Et asa la bolam. Qu'il recherche la paix. Et aluka kimiango. Et la poursuive. Et abila yango. Et abila yango. Et qu'il la poursuive. Voilà. Qu'il s'éloigne du mal. Tiketa tangwa
utamabe, et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Car le Seigneur, les yeux du Seigneur sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Amen. Et les lotos comme Bayenge Bene par la foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous devenons des justes par la foi en Jésus-Christ. Et les oreilles du Seigneur sont tentatives aux prières des justes. De la même manière, tokoki kotangango au sujet ya mabondeli ya bayenge beni tu ya moyenge beni. De la même manière, nous pouvons lire au sujet des prières des justes. Awa na Jacques chapitre 5. Ici dans Jacques chapitre 5, verset 16. Au verset 15, la prière de la foi sauvera le malade. Et kobi qui s'amobeli, pas la prière de doute. Ezalite libondeli ya tembe, mais la prière de la foi. Kasi libondeli ya kondima ngo. Guérira le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, si le malade a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. Pourquoi? Parce que la prière est ajustante du juste. Non, ajustante. A une grande efficacité. Parce que le Seigneur, ses oreilles sont tentatives aux prières des justes. Et la prière agissante du juste a une grande efficacité. Parce que mon juste vivra là par la foi. Un juste a la foi. Et la prière de la foi du juste sauvera le malade. Deux fois, toujours prière kaka ya pasteur ne bikisa. Des fois, nous pensons que c'est seulement la prière du pasteur qui guérit. Ton prière évangéliste, c'est ou c'est seulement la prière d'un évangéliste qui guérit. Ce n'est pas écrit ainsi. Et comment vous bon côté? C'est la prière du juste. Et allez, les bons de l'yamouyenge béni. Qui guérit le malade. Et biki sakamobeli. C'est la prière de la foi. Zali bon de l'yakonimango. D'abord, c'est la prière de la foi. Yamouyenge zali bon de l'yakonimango. Qui guérit le malade. Et biki sakamobeli. Et qui guérira le malade. Et kobiki sakamobeli. Soko yo bondeli. C'est toi qui as prié. Mbeli bonde na yo liza na kondima. Et si ta prière à la foi, dikobiki sakamobeli. Et guérira le malade. Soko mokengeli ya bondeli. Si le pasteur prie. Mais li bondeli na yo liza ni kondima. Mais sa prière est sans la foi. Et kobiki sakamobeli te. Ça ne guérira pas le malade. Seulement la prière de la foi. Ezali popele libonde li yakondimango. Et cette prière de la foi. Li bonde li yakondimango. Ezota la te ya moté ito ya mondimi. Ça ne concerne pas le prédicateur. Ezota la gaga libonde li yakondima. Ça concerne seulement la prière. Moto ya bondelaki. C'est lui qui a prié. Abonde la nakondima. Il prie. Abeta tembete. Ne doute pas. Yangonde kobiki sa mobeli. C'est là qui guérira le malade.
Voyez maintenant, c'est le temps de suivre les écritures pas à pas. Minutieusement. Pour voir comment est-ce que des fois, toujours ça, là, contrairement à ce parce que des fois, nous faisons contrairement à ce que les écritures. Nous voulons faire dire aux écritures ce que les écritures n'ont pas dit. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas la prière du pasteur, du prédicateur, de l'évangéliste, du prophète. Il s'agit de la prière de la foi. Le prédicateur n'est pas appelé foi. Son nom n'est pas la foi. Pasteur non plus. La foi est un don de Dieu. Et la prière de la foi, c'est cette prière-là. Ce n'est pas tout simplement la prière sauvera le malade. Mais la prière de la foi sauvera le malade. Et cette prière, il y a n'importe qui. Ceux qui a prié par la foi, cette prière-là de la foi, agira, sauvera le malade, guérira le malade. Est-ce que c'est clair? Voyez-nous tous, nous pouvons prier. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous avez compris. Tous nous pouvons prier. Parce que étant la prière de la foi. Là, ça ne concerne que la prière de la foi. C'est celle qui guérira le malade. C'est ça. Bongo. Parce que la prière est agissante du juste. Par la foi. A une grande efficacité. Cette prière produit son effet. A une grande efficacité. Amen. Biso tozondima ndenge wana. C'est comme ça que nous croyons. Et à lolenge mosusuti. Ce n'est pas autrement. Les oreilles du Seigneur sont attentives aux prières des justes. Parce que le juste est pris par la foi. Amen. Jean Yaye Kolobaboye. Jean lui a dit ceci. Na deuxième épître naye. En son deuxième chapitre épître. Aye Kolobaboye. Il a dit ceci. Non, troisième. Troisième épître de Jean. Verset 11. Bien-aimé. Balingami. N'imitez pas le mal. Bombe kola mabete. Mais Kasi, le bien. Bola mwango. Bien-aimé, n'imite pas le mal. Molingami, comme kola mabete. Mais le bien. Kasi bola mwango. Tu peux imiter le bien. Oko comme kola bola mo. Mais ne faut pas imiter le mal. Kasi sengeli comme kola mabete. Parce que le Seigneur. Oui, t'es un kolo. Et contre ceux qui font le mal. À côté les malabai bako salamabe. Amen. Amen. Celui qui pratique le bien. Yoya ko salabolam. Est de Dieu. Azali ensemble. Celui qui fait le mal. Yoya ko salamabe. N'a point vu Dieu. Yeah, mon ensemble soko mukete. Jamais. Mon ata yete. Il n'a point vu. Aye bi ata yete. Il ne le connaît même point. C'est pourquoi. Depuis Nango. Awa na ja na un Pierre. Ici dans un Pierre. Ya koi koloba boye. Lui pouvait dire ceci. Kuzongela ka écrit et proverbe. Répétant proverbe. Akoi koloba boye. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie. Ngo ngo moto moko akani kolinga bomoi. Et voir des jours heureux. Et comment ami kolomi pambami. Qu'il préserve sa langue du mal. Il faut avoir la tempérance. Il faut avoir la tempérance. Contrôler ta langue. Savoir contrôler ta langue.
et ses lèvres des paroles trompeuses. Il ne faut pas mentir par tes lèvres qu'il recherche la paix. Vous voyez, non, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Il ne faut pas imiter le mal, mais le bien. Il ne faut pas faire le mal, mais faire le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Il faut la poursuivre. Et pas ikimia ekokene landango. Là où la paix se dirige, il faut la poursuivre. Si la recherche et la poursuivre. Car le Seigneur, les yeux du Seigneur sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais la face, le visage du Seigneur est contre ceux qui font le mal. C'est pourquoi il ne faut pas imiter le mal, mais imite le bien. Il ne faut pas faire le mal, mais fais le bien. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs. Esaïe a solo. Et c'est la vérité. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Regardez, Seigneur. Si tu gardais le souvenir des iniquités. Moi, je me souviens de ce que tu as fait là. Si le Seigneur était comme toi et moi. Éternel. Yahweh. Seigneur. Nkolo. Qui pourrait subsister? Nani akoka kotelema? Qui? Nani? Qui pourrait subsister? Nani akoka kotelema? Personne. Mon côté. Mais le batouba sont basila. Mais sinon tout le monde allait être exterminé. Hello voilà. Papa moko ya misoni. Abondelaka, un dimanche. Un papa protestant. Kuna na village. Là au village. Papa Sili Bondé. On lui a donné la prière. A terem. Il s'est levé. Mais Abondeli boy. Il a prié comme ça. Bien jamais. Oh Dieu. Mokilie bébé, mokilie bébé. Le monde est abîmé. Beaucoup de péchés. Il nous connaît ça qu'on s'en gagne. C'est que je te demande. Que ce soit homme ou femme, babotina bana, des enfants, que Dieu nous réponde, tout ce que nous mourions, comment tu pries comme ça? Ah mais parce que ma belle est qui? Là, dit parce que il y a trop de mal. Tukoko ba kuvivre na mokili ya ndenge ndenge nini? Comment est-ce que nous allons continuer à vivre? Tu ou nous tous que nous soyons exterminés. Ouais. Yo. Si tu gardais le souvenir des iniquités, éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Réponse César, personne. La réponse est que mon côté. Mais le pardon. Parce que c'est bon. Le pardon. Bon. Se trouve auprès de toi. Et Zouami est pas inayo. Toi, tu es un Dieu qui pardonne. Yo, zali nzambo ya la imbisaka. Le pardon n'est pas auprès de l'homme, d'un homme. Bon. Mais, bon. Le pardon est auprès de Dieu. Bon. 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 Il est Dieu de pardon. Dieu miséricordieux. Dieu de toute grâce. Dieu de bonté. Dieu d'amour. De pardon. Malgré nos iniquités, nos fautes, nos défauts et nos péchés, et nos manquements, le pardon se trouve auprès de toi. Tu nous pardonnes toujours. Quand nous les regrettons, toi tu nous pardonnes. Car le pardon est auprès de toi. Et en nous pardonnant, mais c'est afin qu'on te craigne.
Quand tu me pardonnes, c'est pour que je te craigne. Je te craigne. C'est ça. Ce n'est pas qu'il m'a pardonné. N'a continué que je continue à faire ces choses-là. Non. S'il me pardonne. Mais n'a pas reconnaissant. Mais je serai reconnaissant. N'a pas reconnaissant que nous n'avons jamais réussi. Je vais demander que le Seigneur que Limbisa, je ne reconnais pas. Limbisa, pardonne, Limbisa, pardonne. Pardonne même le mal que je fais. Comme le pardon est auprès de lui. Il te pardonne. Il te pardonne pour que tu le craignes. Tu dois craindre Dieu. Ne faut pas continuer. Comme il avait pardonné cette et moi non plus. Yo. Et je ne veux pas te lapider. Mes femmes, va. Parce que moi, et ne pêche plus. Ne pêche plus. Ne pêche plus. Voyez. C'est ça. Bongo. Et que ça s'arrête là. Il ne faut pas toujours continuer à pêcher. Il ne faut pas toujours continuer à pêcher. Il nous pardonne. Et ça pour toi, bangaye. C'est pour que nous les craignions. Et puis là, ma soeur, nous avons perdu. Ah, beaucoup de péchés que j'ai commis. Mais tant que moi, à ce moment-là, tu le crains. Il faut qu'on bangaye. Ah, il faut craindre Dieu. Et il dit Péalobi. J'espère en l'Éternel. Azali Koli, Kakati na Yahweh. Cela est vrai. Solo. Mon âme espère. Moli monangaye Zolikia. Et Jésus-Christ est mon espérance. L'espérance qui ne trompe point. Il est la bienheureuse espérance. Et comme j'espère en Yahvé, mon âme au-dedans de moi espère. Et j'attends sa promesse. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Et celui qui le fera, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Notre Dieu est grand. Certainement qu'il est grand. Notre Dieu est grand. Et ici, dans Psaume 138, je me prosterne, verset 2. Je me prosterne dans ton saint temple. Et je célèbre ton nom. Et cela, à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Quand tu promets quelque chose, et tu peux aussi l'accomplir. Tu accomplis toujours tes promesses. Et la vraie foi est fondée sur les promesses de Dieu. Abraham, notre père dans la foi, qui croyait Dieu, c'est-à-dire il croyait ses promesses. Il croyait ses promesses. La foi d'Abraham était fondée sur les promesses de Dieu. Dieu avait fait Abraham des promesses. Et à sa semence. Voyez frère, les promesses ont été faites à Abraham et à sa semence. Et Abraham croyait aux promesses de Dieu. Et cela lui a été imputé à justice. C'est ça la vraie foi, basée sur les promesses de Dieu. Tout ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Et nous devons croire cela.
Car celui qui fait la promesse, lui-même est capable de l'accomplir. Celui qui la fera, qui accomplira ses promesses ou sa promesse. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il s'agit de sa promesse. Sa promesse de la construction de la nouvelle cité. Et sa promesse de son retour. Et sa promesse de nous élever. Et de nous amener là où il est. Il est fidèle. Et celui qui le fera. Il n'est pas un homme pour mentir. Et sa renommée s'est accrue. Mais à l'accomplissement de ses promesses. Il a accompli les premières promesses de l'Ancien Testament. Et il accomplira aussi les promesses du Nouveau Testament. Car il est le même. Il a dit dans Malachie, je suis Yahvé, cela est mon nom. Et je ne change pas. Et Paul dans Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Car il y avait de l'ancien des amants, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Bisous ont demandé, motindo mona. C'est de cette manière que nous croyons. Pas autrement. Mais le pardon se trouve au pro de toi. Avec qu'on te craigne. Écoutons la fin du discours. Discours. La fin du discours. Craignons Dieu. Et observons ses commandements. C'est la fin du discours. Les discours qui commencent par Genèse 1:1 jusqu'à l'Apocalypse 22. La fin de ces discours, c'est de craindre Dieu et d'observer ses commandements. Ses commandements, c'est sa parole. Amen. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Oui. Bon, j'espère en l'éternel. Mon âme espère. Et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur. Voyez? Pas sur quelqu'un. Je ne peux pas compter sur un homme. Moi tel que je suis là, je compte pour moi. Je compte sur mes parents. Mais David dit, il dit, mon âme compte sur le Seigneur. C'est la personne compétente. C'est l'homme qu'il fallait, qu'il faut et qu'il faudra. L'homme des solutions. Celui qui apporte la solution. Et je dois compter uniquement sur lui. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est mon espérance. Je mets ma confiance en lui. J'espère en lui. Amen. Amen. Oui. Yo. Oui, oui. Yo, yo. Et mon âme compte sur le Seigneur. Plus que les gardes ne comptent sur le matin. Les gens qui se nomment aujourd'hui sécurité. Pas comme bien, ils se nomment. Sécurité. Il s'appelle sécurité. Il n'y a personne dont son nom est sécurité. Un jour, nous sommes allés du côté de Sosimat. Dans la concession du Tex Africa.
Et puis, tout une barrière. Et nous avons trouvé une barrière. Et nous avons une barrière là. À cette barrière là. Bas surveiller, bas agua. Il y avait des surveillants là. Balobi, mais besoin qu'elle le wapi. Ils ont dit où est-ce que vous alors, allez? Alors, n'allez pas que moi taquiner bango. Je voulais un peu les taquiner. Nabi, pourquoi? Je dis pas, est-ce que c'est interdit? Y a est-ce que c'est interdit d'entrer ici? Balobi, non, mais c'est pas interdit. Ils ont dit non, ce n'est pas interdit. On doit savoir. Il n'y a pas besoin qu'elle. Donc, c'est que les toits, ils sont quand ils ne vont et nous avons commencé à nous entretenir. Toujours une agence moko, il y a fret. Nous allons dans une agence de fret. Ah, oui, ça va. Ah, oui, ça va. Bon, et combien d'angoli? Cette agence s'appelle comment? Agence, c'est ça à côté de toi. Il n'y a pas une agence. Mais ça est belé, combien d'angoli? Il y a beaucoup d'agences. Quel est son nom? Alors, on a vu. Bon, monsieur. Moi, je dis, oh, monsieur. Je vois que tu es sentinelle. Hein? La monnaie, tu es aux sentinelle? Non, je ne suis pas sentinelle, oh. Je suis sécurité. Non, je ne suis pas sentinelle, je suis sécurité. Sécurité à Zagati. Moi, je dis, il n'existe pas de sécurité. Ça, c'est sentinelle. Ah, ton service, ton travail, c'est sentinelle. Les Magenia et autres, là, ce sont des sentinelles. Sentinelle signifie surveiller. Sentinelle, c'est-à-dire. Ou garde. Ou garde. Mais Balingi, on ne parle pas de sécurité. Ils aiment ces frères. Frère modeste. Et c'est sécurité, Zaga, comment il y a Moussala? Et c'est sécurité, Zaga, comment Moussala? Et d'un titre, ce n'est pas un titre. Frère. Frère. Frère, frère Enoch. Frère Enoch. Est-ce que c'est Zaga sécurité? Et tu es sécurité? Non. Non. Quelqu'un de sécurité, c'est-à-dire qu'il travaille à la sûreté d'État, voilà. À la sûreté d'État. Parce que sécurité signifie sûreté. La sécurité, ça veut dire sûreté, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est? C'est pas différent, c'est la même chose. Sécurité, c'est la même chose. C'est sécurité ou sûreté. C'est la même chose. Zandengamoko. Comment? Voyez-vous? Mais ça comme na yote? Mais c'est pas ton nom? Oza agent ya sécurité. Tu es agent de sécurité. Agent ya sûreté. Agent de sûreté. Et oza na ba sûreté belé. Nous avons beaucoup de sûreté. De sécurité. Sécurité ya boye ya boye ya boye. Sécurité de sécurité cela. Ndako lo ba ke marchandise na ngayo na lingi e batira ma sécurité. Je peux dire que je veux que ma marchandise soit en sécurité. Lelo butu mobima na la ki en sécurité. Aujourd'hui toute la nuit, je me suis endormi en sécurité. Zali bongo. Donc on ça biso ka po biso to jwa diplôme te. Vous allez nous mentir parce que nous n'avons pas. Mais ça nyo so na ba nkoto ya ba ya ba ya Babel. Tout cela ce sont des langues de Babel, non? Amen. Amen. Et na mona ki on dirait qu'il a mené le roi à saboter et pour la bengue que tu es une sentinelle. On dirait, il a vu comme si je l'ai saboté quand je dis que tu n'es pas sentinelle. Non, 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 non. Il a dit sentinelle, je suis sécurité. Je suis sécurité. Tu n'es pas sécurité, monsieur. Tu n'es pas sécurité, monsieur. Oui, n'a pas ces documents à te guider sur je lui ai donné les documents. Quand nous sommes rentrés, tu as récupéré carte ou nini, carte rose, il y a chauffeur, il y a mon tout ou bien permis de conduire. Nous avons récupéré les documents du chauffeur. Et puis il y a Belémiwana pour la copée Sangaï. Au revoir, monsieur Sentinelle. J'ai dit au revoir, monsieur Sentinelle. À c'est qui? Il a rigolé. À son bête la barrière, il se trouve. Viens voir là, viens voir, il y a qu'on provoque. C'est un vieux provocateur. Ah, mais non, non, Sentinelle. Il m'appelle Sentinelle. Hein? Est-ce que ça vous l'aider? Est-ce que c'est clair? Et pourtant, Ndenganaliao, je suis une sentinelle. Je suis une sentinelle? La sentinelle. Je suis une sentinelle. Un berger dans une assemblée locale, à sentinelle. Un berger dans une assemblée locale, c'est une sentinelle. Je ne sais pas. Zabon. Voilà. Tolika. Passons. Il dit. Abi. Mon âme compte sur le Seigneur. Moli monangai et kotala le colon en colombo. C'est mon âme. Zamoli monangai. Mon homme intérieur. Motonangai na kat. Mon âme. Moli monangai. Compte sur le Seigneur. Et kotala le colon en colombo. Et cela. Peyango. Plus que les gardes, plus que les sentinelles, ne compte sur le matin. Parce que au moins,
Mosona ya surveillance. Parce que vous voyez le travail de surveillance. Enginde la kabango de Nabutu. Ah, ça devient difficile la nuit. Hein? Parce que Nabutu ne pas s'engager qu'on veille. Parce que c'est la nuit qui dort. Pas la laté. Qui ne dorme pas. Po muyibi aya kande Nabutu. Parce que le voleur. Mbale pere badina kabutu. Po bayebi ke butu. Bakolala. Parce que ça bakolala. Comme ça biso toko percer ndakoyena. Comme ça nous allons percer cette maison là. C'est comme ça. Les alibons. Mais une sentinelle. Quand c'est saisi. Garde. Mon patel. Tangwe komi butu. Lorsque c'est la nuit. Ne mutimene ya dugu. Son cœur est en suspense. Naibi na butu ale lote ekosuka ne. Je ne sais pas comment ça sera cette nuit. Tangwe tanai, tangwe tanai. Aza ko compter sur le matin. Alors il compte sur le matin. Parce que ce tangwe tanai. Parce que si le matin là. Ah. Oh. Vraiment. Vraiment. Il n'y avait pas moyen que je dorme. Mais toi, il y a partout. Les oreilles étaient partout dans la parcelle. Dans la concession. Dans la concession. Pongé silinga. Il n'avait pas de sommeil. Voyez. Au moins. Mais mon âme. Gassi. Ton âme. Moli mon ayo. Son âme. Moli mon ayo. Nos âmes. Et le mon abisso. Doivent compter. Et c'est quel état là? Sur le Seigneur. De colonne en colonne. Malgré les bergers sont les gardiens de nos âmes. Attends qu'on va battre les basaliers, bah sinz il y a mille mon abisson. Oui. Mais. Cassé. Mais. Cassé. Bah sinz il y les bergers, bah battre, bazaba, bah sinz il y a mille mon abisson. Les bergers sont des surveillants de nos âmes. Mais bah koko va battre les mille mon abisson. Ils ne pourront pas garder nos âmes. Parce que ma grand mamie mon âme est organisée si quoi. Parce que des choses que mon âme. Aucun berger aille bien. Aucun berger ne laisse. Amen. Amen. Et ce que nous vivons. Et si je dis ainsi. C'est en accord avec cette écriture. Dans le koko kanaka na likomioyo. Par exemple, ah on a Hébreux 13. Donc ça on a baé les hommes dans et comment boy. C'était qui ceci? Balobi. On dit. Na verset 17. Au verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Auto ça na bakami na bino. Et ayez pour eux de la déférence. C'est beau à la pointe à bango na limiemia. Pourquoi? Bonani. Car il veille. Sur vos âmes. Nicolas na bino mon abino. Le conducteur veille sur vos âmes. Il veille sur nos âmes. Le conducteur ici au pluriel. Cela veut dire, ce n'est pas le Seigneur. Ce sont des hommes engagés par le Seigneur. Obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence. Pourquoi? Parce qu'il y veille. Il veille sur quoi? Sur nos âmes. Dont nous devrons rendre compte. Alors, qu'il en soit ainsi. Alors, qu'il en soit ainsi. Pourquoi? Afin qu'il le fasse. Leur ministère là de surveillance, de sécurité, de sûreté de vos âmes. Voyez, qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Voyez, non en gémissant, mais qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Ce qui ne vous serait aucun avantage. Oui, cause à la pointe à binotel, il tombe à moko. Nabino, pour que je sois dit, tombe à la gomorote. Pour vous, vous n'aurez aucun avantage. Parce que si vous êtes tous à bangote, vous ne les obéissez pas. Vous êtes mes bangote. Vous n'avez pas de la déférence. Parce que ça, la moussala, on a gokimé là. Il fera en gémissant, il plaît. Oh, on ne m'aimait pas, on ne m'écoute pas. Et maintenant, moi, ça se m'a là. Beaucoup bénéficier à ta avantage, mon côté. Vous n'aurez aucun avantage. Amen. Voyez-vous. Mais il faut pas se sentir. Mais ils doivent se sentir. Que ses frères nous obéissent. Bah, soeur, bah, les sœurs nous obéissent.
Ils ont de la déférence avec nous. Ils nous respectent. C'est ça. Zabongo. Ezapuna kobanga mututé. Que mutu akomi nzambe nayo. Quelqu'un est venu ton Dieu. Non, ezali lobali ya nzambe. Non, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Biso tozon demandé lolenge lona. C'est comme ça que nous croyons. Oui. Yo. Regardez l'apôtre Paul. Otala Thomas Paolo. Il dit prier pour nous. Alors bibobonde la pona biso. Prier. Bobonde la. C'est à l'impératif. Priez pour nous. Il n'a pas dit, vous pouvez prier pour nous. Non, mais priez pour nous. Quand nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toute chose bien nous conduire. Si tu vois quelque chose mal fait, c'est pas mais la réalité. Voulant se conduire de la bonne manière. En toutes choses. Amen. Amen. C'est avec instance. J'insiste. Que je vous demande de le faire. D'obéir à vos conducteurs. D'avoir pour eux de la déférence. Et aussi de prier pour eux. Et je vous demande de le faire. En insistant. Afin que je vous sois rendu plus tôt. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs. C'est comme ça. Comment voyez-vous? Il dit Israël. Israël. Mets ton espoir en l'Éternel. Non pas à moi David. David. Ou à un autre roi, ou à un prophète, mais ton espoir en l'Éternel. Aujourd'hui, nous pouvons dire Église. Mets ton espoir en Jésus-Christ. Non pas à ton église, et non plus en ton berger, mais en Jésus-Christ. Oui, car la miséricorde est auprès de Yahvé. Et il y avait de l'Ancien Testament et Jésus du Nouveau Testament. Et il est riche. Étant riche en miséricorde, un Dieu miséricordieux. Amen. Amen. Car la miséricorde est auprès de l'Éternel. Comme aussi le pardon est auprès de lui. Et non pas seulement le pardon et la miséricorde. Mais aussi la rédemption, le rachat est auprès de lui et cela en abondance. La rédemption en abondance. Regardez ce qu'il a fait. Il a racheté nos âmes. Et il nous a promis de revenir afin de racheter nos corps mortels. Car la rédemption est auprès de lui en abondance. Il rachète nos âmes. Et il rachètera aussi nos corps. Car la rédemption est auprès de lui en abondance. Et en ayant l'abondance de la rédemption, celui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Et c'est bien lui qui nous a rachetés. Yahvé.
Yahvé devait racheter Israël de toutes ses iniquités. Mais regardez ici. Oui, frères et sœurs. La bonne parole comme celle-ci. Telle que nous la lisons. Bible la Bible dit ceci. Dans Tite chapitre 2. Il dit ceci. Tite à l'obibo. Verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ici sur la terre, car la parole qui était au commencement, qui était auprès de Dieu, qui était Dieu, a été manifestée. La parole a été faite chair. Cela est sa contredit. C'est le grand mystère de tous les mystères. Dieu a été manifesté en chair. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Oui. Iyo. Mais yoka awa. Mais écoutez ici. Dans Ésaïe 12. Na Isaïe azomi na mibale. Tu diras en ce jour-là. Okoloba kati na mokolo wana. Je te loue, O Yahvé. Na kosanzo la yo, O Yahvé. Car tu as été irrité contre moi. Nabio sileka ki kotele melangai. Ta colère s'est détournée. Kele na yo ibongwana. Voilà. C'est cela. Ce n'est pas se tourner, mais c'est détourné. Et comme il y a des sous-soutés, cela ne m'est pas encore arrivé. Est-ce que c'est clair? Tu as été irrité contre moi. Yo, si le cas à côté, le melangai. Mais cette irritation, cette colère, c'est détourné. Et tu m'as consolé. Peu, bon, dis ça, Kingai. Au lieu de répandre ta colère sur moi, cette colère s'est détournée. Donc, Ezoya, tant que Yosirike la Gingaye, quand on a eu l'ingaye, si l'issa est bon, mangaye, ta colère voulait. Namonagaka et Balouki. J'ai vu cela, c'est détourné. Et c'est allé ailleurs. Croyez-vous cela? On y met encore. Oui. Iyo. Et cela en Jésus-Christ. Mais maintenant, à la place de colère, tu m'as consolé. Tu es le Dieu de ma consolation. Amen. Amen. Voici. Talani. Dieu est ma délivrance. Qui me délivrera de ce corps de mort? Mais voici la réponse. La grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Parce que celui qui me délivre et qui m'a délivré, il est mon libérateur. Et j'ai obtenu une délivrance totale, complète et parfaite. Une délivrance absolue. Voici, Talani, Dieu Zambé est ma délivrance. Azali sikonangai. Je serai plein de confiance. Na kotonda na ilikia. Je serai. Je serai plein de confiance. Et je ne craindrai rien. Rien et encore rien du tout. Car petit troupeau ne craint rien. Car votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner du royaume. Vous régnerez avec lui au siècle des siècles. Oui. Yo. C'est vrai. Yasolo. Je ne craindrai rien. Je serai plein de confiance. Dieu est ma délivrance. Car l'Éternel,
L'Éternel est ma force. Yahvé azali bokasi na ngai. Et aussi le sujet de mes louanges. Bentina ya masanzoli na ngai. Je le louerai. Nako sanzola ye. Nako sanzola ye. Je le louerai. Nako sanzola. Alléluia. Alléluia. Il est le sujet de mes louanges. Celui qui m'a sauvé. Qui t'a sauvé, toi? Monsieur Yahvé. Il m'a sauvé en devenant Yahshua. Yahvé sauveur. Celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Amen. Mais en ce moment-là du salut, vous puiserez de l'eau avec joie. Ou alors, aux sources du salut, vous puiserez. Que chacun amène son respirant. C'est une grande source. Là où on tire le salut. Là où on puise le salut. Et il nous dit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ces jours-là, louez Yahvé. Sanzola Mayawe. Sanzola. Louez Yahvé. Sanzola Yahvé. Invoquez son nom. Obele la kombo na ye. Publiez ses œuvres. Kola polele misala na ye. Parmi le peuple. Katikati na mabota. Rappelez la grandeur de son nom. Okanise la bonene ya kombo na ye. Célébrez Yahvé. Sanzola Yahvé. Car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre. Poussez des cris de joie. Et d'agresse. Habitants de Sion. Car il est grand au milieu de toi. Le Saint d'Israël. Israël. C'est comme ça que nous croyons. C'est pourquoi quand Yahvé est devenu Jésus, il a lancé l'invitation. Voyez frère. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. La parole est merveilleuse. La parole de Dieu. Elle est merveilleuse. Car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été manifestée. Et vous puiserez de l'eau aux sources du salut avec joie et allégresse. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous puisons de l'eau avec joie et allégresse aux sources du salut. Et sur ce s'était manifesté. La source qui a été manifestée. La source qui a été manifestée. Oh, frères et sœurs. Ici, nous lisons ceci. Dans Jean chapitre 7. Dans Jean chapitre 7. Et comment me boye? C'était qui ceci? Au verset 37. Verset 37. Le dernier jour. Le grand jour de la fête. Jésus. Yes. Se tenait debout. Maka, se cria. Kanga, si quelqu'un a soif. Qu'il vienne à moi. Et qu'il boit. Et celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau. Vive. Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Et dans Proverbe 22, tout en qui peut boire, là aussi nous lisons comme ceci, bien aimé dans le Seigneur, dans la parole de Dieu qui ne ment point. Alléluia. Il dit ceci. Voyez frère. Au verset 16. Moi Jésus. J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les assemblées, dans les églises.
Qui suis-je? Mais je suis le rejetant. Et la postérité de David. Et encore suis l'étoile brillante du matin. Et l'esprit. Et l'épouse disent. Viens. Yaka. Maintenant, l'esprit et l'épouse tiennent un même langage. Bakoloba et l'obéli moko. Viens. Yaka. Oh, je vais me dire qu'il oh, la parole de Dieu est merveilleuse. Et que celui qui entend dise, cet appel est là. Belawana. Il y a esprit et épouse. L'esprit et l'épouse. Dès que Bazoloba vient. Comme ils disent, viens. Et que celui qui entend dise, à son tour, viens. Yaka. Et que celui qui a soif, vienne. Aya. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, qu'il la prenne gratuitement. Gratuitement. Vous pouvez puiser gratuitement cette eau de la vie. Amen. Amen. C'est de cette manière que nous croyons. Ce n'est pas autrement. Voilà, frère. Dans la parole de Dieu. La bonne parole. La parole véritable. La parole puissante. La parole de gloire. Glorieuse. Et c'est de cette manière-là. Notre Dieu, il est le bon Dieu. Lui ne ment point. Non. Il ne ment point. Il est le Dieu véritable. Ouais. Nous le croyons avec raison, non? Dieu ne ment point. Oui, il est bon. Dans Jérémie chapitre 2. Dans Jérémie chapitre 2. Yalobaboy. Lui a dit ceci. Verset 12. Le verset 12. Cieux. Balola. Sois étonné de cela. Bokamana yango. Frémissez d'épouvante et d'horreur. Boyoka passe na somo pe na kobanga. Omone. Voyez-vous. Dit Yahvé. Et le bi Yahvé. Car. Jambi. Mon peuple a commis un double péché. Et ça qui lisumu na mbala mibale. Le premier, lisumu ya liboso, il m'ont abandonné. Basondola kingai. Moi qui suis ngayo inazali, une source d'eau vive. Et toko moko ya mai na bomoi. Et deuxième péché, pe lisumu ya mibale. Quand tu m'as abandonné, moi qui suis source d'eau vive, source même du sali, ils m'ont abandonné pour se creuser des citernes. Pour se creuser des citernes. Et ma citerne en haut, des citernes crevassées, ma boule ya kotoboka, qui ne retiennent jamais de l'eau, oui, qui ne gardent jamais de l'eau, oui, il toboka, crevassé. Et à la ma citerne, ce ne sont que des citernes, là, mon côté des sources, aucune et à ma citerne, ce ne sont que des citernes. Tambula na bandago na gombe awa. Même awa na lingwala. Même ici à lingwala. Na Saint Jean. Oko kuta na bandago ya bakonji batu ya bamoye kaka basiterne. Dans des maisons des hommes de moyen toujours des citernes. Des citernes. Pour na cueillir des eaux de la pluie. Pour cueillir les eaux de la pluie. Et toutes ces eaux-là de la pluie. Tango iko noka likolo ya manzanza. Lorsque ça tombe sur les toitures. Les toitures. Isako yako sukola ba toitures. Ça vient laver les toitures. Ils ont nettoyé ba toitures. Ça nettoie les toitures. Et du coup, il y a toitures. Et si les toitures. Magorodo. Il se trouve les crocodiles de Lazare.
Voyez, frère. Banye ya bampuku ya banyao. Nyoso ifanda kali corona nsamba. Reste sur le toit. Et mai mambula mako ya kokombolo ya ngonyoso. Et l'eau de la pluie vient nettoyer tout cela. Canaliser ya ngona fetière. Pour canaliser cela sur le fetière. Et tant que fetière est comme mango. Le chopi ya ngona citerne. Et déverse dans la citerne. Et citerne ya ngopé lisusu crevassé. La citerne crevassée. Et les gens viennent boire. Ils boivent de l'eau sale. C'est ce que les gens viennent boire. Moi, j'adore Kimbangu. Mais qu'est-ce que vous buvez là-bas? Si ce n'est de l'eau sale. De l'eau contaminée. Il y a beaucoup de microbes. Des microbes belés. Et maïmana ma gosora yo mpasi na libumu. Okopele. Poulou poulou. Et tu auras la diarrhée. C'est ça. Zali bongo. Okozwa banyama ya libumu. Tu auras des vers intestinaux. Des vers intestinaux. Bansembe. Okopela yango. Des vers intestinaux. Tu vas souffrir de cela. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Les agneaux sont basotés, il y en a. C'est tout ce qu'on prêche dans les dénominations. Chaque dénomination. C'est créé, il y a yémé citerne. C'est créé sa citerne. Et ce n'est qu'une citerne crevassée. Ce n'est qu'une citerne crevassée. Parce que nous, et toko yama ina bomo. Ils ont abandonné. Et si kaba ko toka kalobiko. Là où. Yahweh yemoko. Au puits de l'or, l'Éternel lui-même. Là on puise le salut. Là on puise le salut. Baboyango. Ils ont refusé cela. Baboyahwe, Baboy Jésus. Ils ont refusé Yahweh. Ils ont refusé. Oui, il a lancé l'invitation. Qui a lancé l'invitation? Que celui qui a soif. Tiquette, mais qu'il vienne. Tiquette, aya. Et qu'il prenne de l'eau de la vie. Gratuitement. Na ofele. Sans argent, sans rien payer. Na kozanga misolo, na kozanga kofuta lumeya. Amen. Amen. Car tout a été payé. Jaminyon se futamaki. Par le Seigneur lui-même. Il a tout payé. Ya futakinyos. Yo koyaga komela. Toi tu ne viens que boire. Ka kutoka, toka ndenge yoli. Toka mela mela mela. Oh, dilo balizaki to. Oh, la parole est bonne. Jam na biso zanzama. Notre Dieu il est le bon Dieu. Frères et sœurs. Bande ko bale bande kwasi. Na kolinga na lobeloko moko. Je voudrais dire une chose. Lobby, le passage que j'avais lu, ce n'était pas le passage adéquat. Hier, Molongo et Natangaki, Ezaki, Molongo et Bongo. Je cherchais ce passage-là. Mais je suis tombé na passage Moko, mais ça pembe ni nango. Je suis tombé sur un passage, mais qui est on ne peut pas laisser ça comme ça. Parce que quand tu as yango boite. On doit corriger. C'est comme ça. Parce que chaque passage était en question. Parce que chaque passage, chaque passage, chaque passage, chaque passage, chaque passage, le passage était bien, mais ça ne reflétait pas réellement ce que j'ai dit. Voilà. C'est cela. Aujourd'hui, nous rentrons dans Daniel. Daniel. Chapitre 9. Daniel, chapitre 9. Oui. Yo. Dans Daniel, chapitre 9. Dans Daniel, chapitre 9. Totangaki, lobiboué, peto zozongela. Hier, nous avons lu comme ceci et puis nous revenons là. Daniel a bête la bisoli solo. Daniel nous raconte. Parce que awa il faut tous se soulever bilo komi balé. Parce que si nous devons comprendre, il s'agit de deux choses. D'abord, yambo 70 ans. Ba mibu tukusam. Voilà. Ensuite, nasima 70 semaines. Ba mposo tukusam. Ah, c'est cela. Mbula tukusambo 70 ans. Naba poso tukusambo. Et 70 semaines. Ikese. C'est différent. Isa eloko mokote. Ce n'est pas la même chose. Mais bambula tukusambo. Mais les 70 ans.
Celui qui l'avait annoncé. Ezaki Daniel était. Ce n'était pas Daniel. Mais Ezaki Jérémie. Mais c'était Jérémie. Maintenant, lorsque Dieu a accompli la prophétie de Jérémie, 70 ans, preuve nango ezali Daniel. Sa preuve, c'est Daniel. Parce que Daniel a couta maki na Babylone. Parce que Daniel s'est trouvé à Babylone. Ezaki ne na bokoki sami. Ya prophétie wana ya mbula tukusambo. La prophétie là de 70 ans. Et Daniel est kuna na Babel, na Babylone. Et Daniel là Babylone. Ne aye kozwa ya ye prophétie ya ba apostle tukusambo. Il a eu sa prophétie de 70 semaines. Ah, c'est cela. Bambula tukusambo. De 70 ans. Isakula manano Daniel ya ke na Babel était. Était prophétisé, Daniel n'était pas encore allé à Babylone. Sikoyo tango yeko okisama. Lorsque ne Daniel est bakangie ba memiye na Babylone. Daniel on l'a arrêté, on l'a amené à Babylone. Voilà. C'est cela. Sikoyo avako kobima na boumbu. Avant qu'il ne sorte. Yambula tukusambo. De 70 ans. Aumelaki kuna au moins 68 ans na boumbu. Il a duré là à peu près 70 ans dans la captivité. 68 ans. 68 ans. De na boumbu. De servitude. Na Babylone. À Babylone. Na 68e année. Dans la 68e année. Kuna na captivité. Là dans la captivité. Ne sikoyo etikala ikaka 2 ans. C'est maintenant il ne restait que 2 ans. Boumbu ango ya mibutu kusambo ekokisa. Pour que la servitude de 70 ans puisse accomplir. Bejida ebi mauta na boumbu. Et que Jida sorte de l'esclavage. Daniel a prié. Daniel a bondé laki. Et quand il a prié, Dieu a exaucé sa prière. C'est ainsi qu'il lui a donné la prophétie de 70 semaines. C'est ça la différence. Alors je vais vous donner les écritures. Togokamata Jérémie. Prenons Jérémie. Et Togozoa Yilimia. Togumiba Inamitano. Prenons Jérémie 25. Et Totangi Boina, Jérémie 25. Nous lisons ceci dans Jérémie 25. Jérémie 25. Jérémie 25. Komami Boye. Il est écrit ceci. Jérémie chapitre 25. Jérémie chapitre 25. Tolandango bien. Suivons cela bien. Hein? Si tu es à la maison, tu peux commencer au premier verset. Mais pour nous gagner le temps. Nous pour gagner le temps. Verset 12. Prenons le verset 12. Commençons même à partir du verset 2. Verset de Bosso, la parole fut adressée à Jérémie. Surtout le peuple de Juda. Et non pas surtout le peuple d'Israël. Seulement Juda. Kaka Yuda. La quatrième année de Josaquim. Josaquim. Fils de Josias, roi de Juda. C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Mokonzi à Babylone. La parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda. Et non pas d'Israël. Et devant tous les habitants de Jérusalem. Vous voyez, en disant. Depuis la 13e année de Josias. Uta mobu zomi na misatu ya Josias. Mubuya. Mubuya zomi na misatu ya Josias. Fils d'Amon, fils de Juda. Roi de Juda. Mokonzi ya Yuda. Il y a 23 ans que la parole de l'Éternel. Ezomi mobu tokumi bana misatu ete loba na Yahweh. M'a été adressé. Etinde la melakengai. Je vous ai parlé.
Je vous ai parlé dès le matin. Et vous n'avez pas écouté. Vous voyez? La parole me fit adresser. Et je vous ai parlé. Et vous ne m'avez pas écouté. Vous ne m'avez pas cru. Vous n'avez pas cru à cette parole. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. C'est dommage. À votre égard. Et tous ces envoyés, tous ces prophètes, ils vous ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, de vos œuvres, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous. Oui, vous habiterez, vous demeurerez là, vous resterez. Parce que ce pays, le pays que j'ai donné à vous et à vos pères, d'éternité en éternité. N'abotola bino angote. Mais condition est allée. La condition est que Boyoka. Écoutez. Potosa. Obéissez. Puis beaucoup tika la namboka ango. Et vous resterez dans ce pays. Beaucoup longwa wanate. Vous n'allez pas quitter là. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? N'allez pas après d'autres dieux. Ok, les tests ma banzambe basus. Pour les servir. Bona kosala bango. Kosale la. Pour les servir. Bona kosale la. Kosale la bango. Kosale la bango. Et pour vous prosterner devant eux. Ne méritez pas par l'ouvrage de vos mains. Parce que vous avez ces choses. Vous êtes les fabricants. Alors l'ouvrage de vos mains, vous allez mériter. Vous le ferez comme moi. Vous allez provoquer. Voyez-vous. Ne méritez pas par l'ouvrage de vos mains. Et je ne vous ferai aucun mal. Vous resterez dans ce pays. Vous demeurerez toujours là. Vous y habiterez. Mais regardez. Mais vous ne m'avez pas écouté. Y avait. Et cela, en manquant de m'écouter, c'était afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains. Et cela, pour votre malheur. C'est pour votre malédiction, malheur. Voilà. C'est pour votre malheur. Oui. C'est pourquoi. Ainsi parle Yahvé des armées. Parce que vous ne m'avez point écouté. Vous n'avez point écouté mes paroles. Que moi, en tant que son prophète, je vous ai annoncé. J'enverrai chercher tout le peuple du septentrion. Du l'Éternel. Et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Vous savez, oui. Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Babylone. Qui est-il? Azanan. Mais il est mon serviteur. Je l'appelle mon serviteur. Malgré c'est un païen. Il n'est pas un juif ni un israélite. Mais il est mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays. Et contre ses habitants.
et contre toutes ces nations alentour. Avait de les dévouer par interdit. Vous voyez? Oui. Oui. Et d'en faire un objet de désolation et de moquerie. Oui. Si objet de ruine éternelle. Je ferai chercher parmi eux les cris de réjouissance. Et les cris d'allégresse. Les chants du fiancé et les chants de la fiancée. Ikosukisama. Ça sera cessé. Le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Lokito ya mele pe pole ya mwinda. Voyez, Bomoni. Tout ce pays Bokanyosoyo deviendra une ruine. Et comme les bébés. Voilà. C'est cela. Un désert. L'isobe. Tout ce pays, c'est-à-dire Juda. Bokanyosoyo l'inkolo bayuda. Ah, deviendra une ruine. Et comme les bébés. Un désert. L'isobe. Et ces nations alentour. Bébé kolo nzinga nzinga. Seront asservis. Et kotia yango boumbu. Il servira au roi de Babylone. Nebuchadnezzar. Pendant 70 ans. Amen. Amen. Tu l'as dit, avons-nous suivi cela? C'est cela. Maintenant, la servitude Nebuchadnezzar a régné du côté de Juda. Nebuchadnezzar régnera sur Juda. A cause d'un décret moko. Il fera un décret. Et na décret naïe. Par son décret. A pour décréter que. Va décréter que. Juda est comme une province de Babylone. Juda est devenu province de Babylone. Pointre. Et combien de jours pays te. Sera plus appelé pays. Et comme ma province. Ça deviendra une province. Il y a Babylone. De Babylone. Amen. Amen. Non, non, la parole de Dieu est merveilleuse. Et bon, moi, cette servitude durera. Captivité, on est comme là, moula tout kusambo. Cette captivité-là durera 70 ans. Verset 12. Le verset 12. Mais lorsque c'est 70 ans seront accomplis. Kasiwana ba mibongo tukusambo ekokusama. Je châtierai le roi de Babylone. Na kopesa tumbu na mokonzi ya Babylone. Et cette nation babylonienne. Pena ekolo ya Babylone. Dit l'Éternel. Elobi yave. Et cela à cause de leur iniquité. Pe yango nantine ya bokese na bango. Aujourd'hui, les gens disent tue moi, si tu me tues, toi-même, tu vas porter mes péchés. Si quelqu'un te tue, tous tes péchés sur lui. Et toi, après, auprès de Dieu, tu n'as pas de péché. Mensonge. Je vous dis mensonge. C'est moi le même nabicolo. C'est pourquoi je te dis que les gens peuvent faire des batous. Les diables les excitent inutilement. Lorsque Dieu donne à quelqu'un le pouvoir. J'ai bien beaucoup ébaka combien de temps mutuana a kokonja. Dieu lui-même sait combien de temps cet homme régnera. Si le temps que Dieu lui donne, son royaume finira là. Et j'ai bien compris ça kokonja dans la mutu musus. Et Dieu donnera le royaume à quelqu'un d'autre. Mais tant que batu bamoni moto akodondwa lorsque les gens voient quelqu'un là pour continuer makamboka ya mabe ça se réunit toujours pour joindre ou dans jambe ou dans jambe ce pouvoir là ne vient pas de dans jambe mabe koko jo mate c'est la venue de Dieu pour tana bino vos mensonges jambe suka pesio bokonji les unités posent on yoko la population ce n'est pas pour opprimer maltraiter ou opprimer la population non non mais ce qui est au salut, ma cambo, y a ma bena bokonjina yo. Mais si toi tu fais
Il n'y a pas de problème. Mais lorsque le temps de ton royaume sera accompli, Dieu aussi te jugera. Ah! Oui. Non, yo salaki pendant ton règne. De ce que tu avais fait pendant ton règne. Il est un Dieu juste. Nzambe moko mulongo bani. Nzambe wa pesina roi ya Babylone. Et Dieu s'est donné au roi de Babylone. Bikolo biso toloba ya molongo. Toutes les nations du monde. Ye kwa kodondo alikolo na bango. Il ne peut régner sur rien. Y compris ekolo ya ye moko. Y compris sa propre nation. Juda. Jérusalem est ngumba na ye. Jérusalem sa ville. Ne pourrait retirer à bébé sa yango. Que Nebuchadnezzar détruise cela. Pona l'abandon de Juda. Pour l'abandon de Juda. La qui ye. Ils l'ont abandonné. Baboya qui ye. Ils l'ont refusé. Ils ont commencé à donner les idoles. Et Djambé a voulu qu'on tique à Juda d'engue wanate. Et Dieu ne pouvait pas laisser Juda comme ça. Parce qu'il est un Dieu jaloux. Notre Dieu. Ne peut pas Israël, que sa nation Israël, dans son pays, dans sa terre, après ce bino yango, bino bolie mo sambera kaye, pokomi kogumba mera bikeko. E yango na mabele na ye. Et cela dans sa terre. Ayoko ikanda labino benga na bino. Il s'est tiré. Non benga na bino. Na boto la bino mabelete. Na pesa bino d'éternité en éternité. Je voulais donner d'éternité. Mais na ko benga na nano bino. Mais je vais d'abord vous chasser. Bo beta manano. Que soit d'abord. Uyo ka etumbu nengeza la. Pour sentir comment il est châtiment. Et njambe ko benga un roi païen. Mais Dieu appellera un roi païen. Aya Kokamata Juda akotango na boumbu. Qu'il vienne prendre Juda pour la servir. Dieu Zam. Est souverain. Azali mokonzi. Dieu peut permettre les démons de tourmenter mon bonami na ye. De tourmenter son Élie. Parce que mon bonami azo yoka yete. Parce que l'Élie ne l'écoute pas. Tu connais azo yoka yete. Comme il ne l'écoute pas. Allez, démons sont là, viens. Toi, un tel démon, je te permets, qu'est-ce que nous allons faire? Je te permets, va d'abord les tourmenter. Parce qu'il ne m'écoute pas. Azo yoka ngai soko mukete. Amen. Amen. Est-ce que ça pour l'Élie? Est-ce que c'est clair? C'est comme ça que nous croyons. Mais yebaka. Mais pas de monnyo suis ako tourmenter yoana. Tous les démons qui te tourmentent là. Tango ya tourment ekokoka ekosira. Le temps de tourment finira. Mais njambe ako sabi sabe ba démon wana. Mais Dieu jugera aussi ces démons là. Tous les démons qui nous tourmentent aujourd'hui, ils seront jetés en prison pendant 1000 ans. Il est Dieu qui ne change pas. Amen. Amen. Et il dit, cela est vrai. Oui. Iyo. Je vous dis, mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, Alobi. Wana ba tukusambo bambula tukusambo bambula tukusambo eko kokisama. Je châtierai le roi de Babylone. Nako pese tumbo na mokonzi ya Babylone. C'est le même roi qui l'appela. Zali mokonzi qui l'a appelé mon serviteur. Oya bianga ki musale na ngai. Et cette nation babylonienne. Be ko wana ya Babylone. Dit l'Éternel. Elobi yawe. Et ces châtiments, pour cette punition, tombe à cause de leurs iniquités. Vous avez été frappés du vôtre, des vôtres. Et puis, bango, bango, betama, no ya bango. Et aussi seront frappés de l'air. Est-ce que vous suivez? Si quelqu'un te tue, yo, kufi na masumu na yo. Toi, tu es mort dans tes péchés. Yepe akosama na masumu ya yo. Yepe akosama na masumu ya ye. Sera jugé. Masumu na ye. Ses péchés. Ya yo ekokwela yete. Tes péchés ne vont pas tomber sur lui, hein? Non, non. Yo avant okufa avant baboma yo. Toi, avant côté tu. Kasi osala yo mabe. Tu avais aussi fait tes péchés. Tu vas aussi être jugé pour ce mal-là. Nzambe asaka ndendengo. Et c'est comme ça que Dieu agit. Amen. Voyez-vous. Il dit, ah bien? Oui, Iyo. Je châtierai le roi
de Babylone et cette nation qui avait à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays de Kaldén et j'en ferai des ruines éternelles. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui. Tout ce qui est écrit dans ce livre, c'est que Jérémie a prophétisé. Oui, sur toutes les nations. Car des nations puissantes et des grands rois les asserviront. Voyez, et aussi, et je les rendrai selon leurs œuvres, selon l'ouvrage de leurs mains, et ainsi de suite. Chapitre 27, si tu prends chapitre 27, je crois 28. Je crois 28. C'est le chapitre 27. Non, c'est le chapitre 27. C'est Jérémie qui parle. Au verset 2, ainsi m'a parlé Yahvé. Fais-toi des liens et des jougs. Voyez-vous. Salam. Fais-le. Misalela. Ah, fais-le. Et mets-les sur ton cou. Envoie-les au roi de Dom. Au roi de Moab. Au roi des enfants d'Amon. Au roi de Tyr. Et au roi de Sidon. Par les envoyés qui sont venus à Jérusalem auprès de Sédécias, roi de Juda. Yuda. Et tu leur donneras mes ordres pour leur maître. Tu donneras à leurs messagers, à leurs envoyés, mes ordres, et ces ordres-là, pour leur maître, leur roi, en disant, ainsi parle Yahvé des armées, le Dieu d'Israël. Voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui ai fait la terre. Et non pas seulement la terre, qui a fait les hommes et les animaux qui sont sur la terre. Et cela, par ma grande puissance et par mon bras étendu. Maintenant, tout cela, ce sont mes choses. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Je suis souverain. Je donne à ma terre à qui cela me plaît. À celui à qui cela me plaît. Je lui donne. Amen. Bon, pour cette fois-ci, à présent, je livre tout ce pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux de champ pour qu'il lui soit assujetti. Voilà. C'est cela. N'abaisse na bamboka n'abaisse na banyama nyos et tous les animaux. Sikoyo yende akozala maître abiloko biso bina. C'est lui qui sera le maître de tous les banyama nangai banyama nangai. Ah, mes animaux. Ma belle nanga mo. Ah, ma terre. So nobige mutu a se pelisi ngai joana na. C'est lui qui me plaît. Prends d'abord. Ya binu likamboni nga na vota ka yete. O mura na vota ka yete. Est-ce que ça ma belle na yo pour voter? C'est ta terre pour le voter. Ça belle zo pesa. C'est Dieu qui donne papa. C'est quoi le venir? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit?
Yoka. Écoutez. Toutes les nations. Bikolo biso. Lui seront soumises. Et kozala na sena ye. Donc ikotos. Lui seront soumises. Et kotosa ye. À lui. Et pas inaye. À son fils. Na mwana na ye mobali. Et au fils de son fils. Et na bana babali ya bana na ye. C'est-à-dire à son petit-fils. Voilà. C'est cela. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? La Bible, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive. Et que des nations puissantes et des grands rois la servissent. Voilà. C'est cela. Beaucoup de gens ne sont pas sûrs. Ils ne sont pas sûrs. Ils ne aussi sera servi par le pouvoir des autres. Vous avez que le pouvoir est ici, il n'y a pas de chimie. C'est-à-dire quand le pouvoir finit, comment il devient calme? Oui. Ton temps est écoulé. Tant qu'on a eu ici, il est calme. C'est comme ça, mes frères. Mais Yoka. Mais écoutez. Si une nation. Soko, école moko. Si un royaume Soko ne se soumet pas à lui, à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Babylone, et ne livre pas son coup au joug du roi de Babylone, Babylon. Bon. Voilà. Je châtierai cette nation par l'épée, par la famine na et par la peste. Pe na malali. Malali ma be. Na malali ma be. Dit l'Éternel. Et le piave. Peste a weza ba épidémie. Peste ici ce sont des Nukula ba coronavirus. Comme des coronavirus. Jusqu'à ce que il été... je l'ai exterminé par sa main. Nasila ko qui n'a pas bobelé te na ko sila na ko boma ye na loboko na ye ekolo ango ko boma na loboko ya roi de Babylone exterminé par la main du roi Babylone. Roi de Babylone n'a pas si impifo à Babylone, je lui ai donné le pouvoir. Si vous doutez na ye, si tu doutes de lui, Makale ko joyo. Ah, la prison de Makale là. Il est terrible, Dieu. Tout ça y est. Obéis-lui. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Oui, frère. C'est comme ça. Et dis ceci. Et vous? Pébino. N'écoutez pas vos prophètes. Vous ici, c'est le peuple de Juda. Vous, peuple de Juda. Vous l'assemblée, vous l'église, attention, okay, n'écoutez pas vos prophètes, c'est-à-dire vos prédicateurs, vos devins, c'est-à-dire des sorciers, hein? Vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens, qui vous disent non, vous ne serez pas asservi au roi de Babylone. Babylone. On vous trompe. Je ne les ai pas envoyés. Car c'est le mensonge qu'il vous prophétise. Afin que vous soyez éloignés de votre pays. Parce que vous arrêtez, vous. Afin que je vous chasse. Moi-même, je vous chasserai. Et que vous périssiez. Amen. Amen. Mais. Kasi. La nation qui pliera son cou. Kasi, ekoloye, koye isa kingo, eko gumba kingo, eko pliera, e plié, e gumbi amo. Eko gumba kingo, kingo na ye. Ah, Nebikanesa. Moi, t'es lien de servitude, j'accepte. J'accepte koto sa yo. J'accepte de t'obéir. La nation qui pliera son cou. Sous le joug du roi de Babylone, et qui lui sera soumise,
cette nation, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, pour qu'elle le cultive et qu'elle y demeure. Evandawana. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Tout tu verras des choses qui se sont passées là. Lorsqu'il a donné cette prophétie, dans chapitre 28, au chapitre 28, la Bible dit ceci. Avant d'y arriver là, il dit ceci. Au verset 21, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, au sujet des ustensiles qui restent dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem. Ils seront emportés à Babylone. Ils seront emportés à Babylone. Et ils y resteront jusqu'au jour. Où j'irai les chercher. Moi-même j'irai là. Amen. Amen. Oui. Yo. Voyez, frère, jusqu'au jour où j'irai les chercher, et je les ferai remonter. Les ferai. Je les ferai remonter. Et revenir dans ces lieux. La Bible dit. Verset 1 du chapitre 28. Verset 1 du chapitre 28. Dans la même année. Quand il a mon boum, au commencement du règne de Sédécias. Roi de Juda. Le cinquième mois de la quatrième année. Sansa ya mitano ya mubu ya minei. Voyez. Anania. Fils d'Azur. Moi, non, bali Azur. Ya Azur. Prophète de Gabaon. Moussa kolia Gabaon. Medi. Alors, bien, à moi, Jérémie. Et pas inangai, Jérémie. Dans la maison de l'Éternel. En présence des sacrificateurs. Et de tout le peuple. Et regardez ce que ce prophète de Gabaon m'a dit. Gabaon, lui qui s'appelait Ananias. Ainsi parle Yahvé des armées. Le Dieu d'Israël. Zambangouya Israël. Le joug que tu as mis sur ton cou en guise de signe. Voyez, je brise le joug du roi de Babylone. Je brise. Nabuki. Je brise le joug du roi de Babylone. Toi, tu as prophétisé 70 ans. Moi, je te dis, encore des années, tout simplement. Et je ferai revenir dans ces lieux tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ces lieux et qu'il a emporté à Babylone. Ça ne totalisera jamais 70 ans. Seulement 2 ans. 2 ans seulement. Aujourd'hui, deux prédicateurs dans une assemblée. Un prédicateur dans une assemblée. Deux prophètes phare à phare. Oui, atteignent le contraire. L'un prêche ceci, l'autre prêche le contraire. C'est à vous, le peuple, de juger. Éprouvez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Entre les deux, qui a dit la vérité? De qui la parole de Dieu est sortie? De quelle bouche? Entre les deux bouches. Alléluia. Alléluia. Oh, bien. Moko alobi, ba mbula tukusa. Léa dit 70 ans.
Avant 70 ans, ils ne feront pas de la pamba. L'autre vient, non, ils ne feront que 2 ans. Ils vont revenir ici, je vais les revenir ici. Ainsi dit le Seigneur. Le premier dit, Yangwe Lobi. Ainsi dit le Seigneur. Le deuxième aussi dit, Boye Lobi. Ainsi dit le Seigneur. Moi aussi, j'ai eu ainsi dit le Seigneur. Le deux, ainsi dit le Seigneur. Faire à faire. Boye Lobi Nkolo, Bouzou na Bouzou. Où est maintenant la véritable prophétie? Oui, ainsi dit le Seigneur, il y a solo. Oui, ainsi dit le Seigneur, il y a solo. Y a solo de yana. Ainsi dit le Seigneur, de qui? Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Voyez-vous. Jérémie a terminé Kawan. Jérémie, à ma présence. Parce qu'il le disait à ma présence. Devant les sacrificateurs. Devant d'autres prédicateurs. Pas prédicateurs. Tous. Tous les prédicateurs. Jérémie fait sa prophétie de Wala. Jérémie vraiment sa prophétie de Wala. Si nous avions un homme comme Jérémie, Jérémie nous a tourmenté avec ses prédicateurs. On l'a mis chaos technique. Il ne parle même pas. Voilà. C'est cela. Voilà, frère. Voyez-vous. Et il continue. Et je ferai revenir dans ce lieu. Dit l'Éternel. Jeconia. Fils de Josaquin. Roi de Juda. Je le ferai revenir. Et tous les captifs de Juda. Je les ferai revenir ici. Qui sont allés à Babylone. Car je briserai le joug du roi de Babylone. Pointré. Et Sukiwan. Jérémie, le prophète, répondit à Anania, le prophète, en présence des sacrificateurs et de tous les peuples qui se tenaient dans la maison de l'Éternel. Jérémie, le prophète, dit Amen. Amen. Il a ponctué cela avec un amen. Ya le baki yangona amen. Amen. Ezala bongo. Que l'Éternel fasse ainsi. Tikete yawo asala bongo. Diliyo sakoli wana. Tel que tu as prophétisé là. Amen. Amen. Tika yawo asala bongo. Que l'Éternel fasse ainsi. Tokotala. Nous verrons. Tokotala. Nous verrons. Ngai na souhaité yo chance. Moi j'ai Tika yawo asala bongo. Que l'Éternel fasse ainsi. Diliyo lobi que dans 2 ans. Ne va kujonga. Ils ne feront pas 70 ans. Que l'Éternel fasse ainsi. Amen. Vous voyez? Je crois. Ah, je crois. On a crié si lui. Il a renié sa propre prophétie. Et ça qui est une fausse prophétie. C'était une fausse prophétie. Mais il n'y a pas de soucis. Sinon, il allait nous tromper comme ça. Et Jérémie dit Amen. Il mit à l'opinion. Que l'Éternel fasse ainsi. Dikete Yahweh Salabongo. Que l'Éternel. Dikete Yahweh. Accomplisse les paroles que tu as prophétisées. Et qu'il fasse revenir de Babylone. Et ta zone qui s'ouvre dans Babylone. En se liant les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Moi, je ne refusais pas. Bon, qu'il fasse cela. Mais voici mon conseil. Seulement, mon bien-aimé prophète, prédicateur, serviteur de Dieu, écoute cette parole que je prononce à tes oreilles. Que je prononce au Nagosakola, de tes oreilles, à tes oreilles, et aux oreilles de tous les peuples, ici présents, dans la maison de l'État. C'est quoi alors? Voici mon conseil. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, tous les apôtres et les messagers, et tous les prophètes de l'Ancien Testament,
qui ont apparu avant toi et moi, de les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes. Qu'est-ce qu'ils ont prophétisé? La guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète aujourd'hui prophétise la paix au lieu de la guerre, bon, ça ne suffit pas. C'est le mal de prophétiser. Mais c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Sans l'accomplissement, Lorsque Jérémie lui a dit, Anania, le prophète audacieux qu'il était, enleva le joug de dessus le cou de Jérémie. Le prophète. Et il le prisa. Et Anania dit à présent de tout le peuple. Ainsi parle Yahvé. C'est ainsi que dans 2 années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations. Le joug de Babi de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. J'ai dit, je le répète, je ne répare rien, je ne corrige rien. Ce que j'ai dit est ainsi dit le Seigneur. Et Jérémie le prophète, Sanala. Il n'y a pas de discussion. Si je suis ce type, et moi je vais pécher. Que je laisse dans l'assemblée. Parce que comme on dit, Quelle sorte de prédication, très dure comme ça. Il n'est même pas assez. Il ne veut pas plaire aux hommes. Le prophète Jérémie s'en alla. Moussa Kole Ilmiya Akenda Kinaï. Ami Kendelak. Après que Anania le prophète si Anania ait brisé le joug de dessus le cou de Jérémie le prophète. C'est là que Koboke Kangane le colonne à Kingo Ilmiya Moussa Kole. La parole de l'Éternel.
fut adressé à Jérémie. En ces mots. Va. Kende. Je rentre encore là-bas. Oui, rentre. Kende. Va. Quand ils allaient se moquer de toi, avec l'insu dit le Seigneur. Va maintenant avec l'insu dit le Seigneur. Va et dis à Anania. Kende pelo bana Anania. Ainsi parle Yahvé. Voyez que le Yahvé. Toi Anania. Yo Anania. Tu as brisé un joug de bois. Obuka ke kangenelia libaya. Et tu auras à sa place un joug de fer. Oyo kozona sika nango e kangenelia libende. Car. Jambi. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. Banyama ya zamba. Et Jérémie est allé lui annoncer. Et Jérémie répond, frère. Il est mis à Moussakoli. Dis Anania, Moussakoli. Écoute. Yoka. Anania. Anania. L'Éternel n'est pas prêt à envoyer. Yahweh tinda ki osoko mukete. Et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. Amen. Tu inspires à ce peuple une fausse espérance. Ton inspiration est fausse. Ton inspiration est fausse. Tu n'es pas un inspiré divin. Vous voyez, il est après envoyé. Tu inspires à ce peuple une fausse confiance. Quand Dieu te chasse de la terre, tu iras où? Tu mourras. Parce que vous avez une planète de monsieur qui ne vous pas notre planète. Si ce n'est la mort, je te chasse de la terre. Tu mourras cette année. Car tes paroles. Sont une révolte contre Yahvé. C'est une rébellion. Et Anania le prophète mourut cette année-là dans le septième mois. Amen. Amen. Donc, Oyo. Alors, ceci. Et la prophétie à Jérémie. C'est la prophétie de Jérémie. Mbona bombu ya Jida. Pour la captivité de Jida. Ya bambu la tukusambo. Et 70 ans. Na Babylone. À Babylone. Azosuk. Je vais m'arrêter. Soko oye na Daniel. Si tu viens de Daniel. Omani mbula nyoso za tukusambo. Vous voyez, toutes les années sont 70. Nzambe ebisaki na Jérémie. Aebisa bango ke. Lorsque les 70 ans seront accomplis, la terre ouane à Juda. Pour le faire revenir dans la terre de Juda. Maintenant, si tu viens ici, dans Daniel 9, là nous avions lu hier, mais un peu au-dessus, au verset 1, là nous lisons ceci. Suivez. Abi. Il dit. La première année de Darius. Vous le Darius. Darius. Fils d'Assuérus de la race des Mèdes. Moi, il y a Assuérus. Il y a Mèdes. Lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Oui, comment que mon conseil, il y a beaucoup de Chaldéens.
La première année de son règne. Moi, Daniel. Je vis par les livres. Par les livres, Nanzela ya Babouk. Par les livres. Qu'il devait s'écouler 70 ans. Pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Amen. Est-ce que vous suivez bien? Si quoi yo tango yé Daniel. Maintenant, lorsque lui Daniel. Ils ont duré là, dans la captivité à Babylone, 68 ans. Il a trouvé la prophétie de Jérémie 25. Il y a Jérémie 28. Il a vu dans ses livres, oh. La captivité dont nous sommes. Et il devait y avoir 70 ans. Il a commencé à compter depuis que le détruire le temple. Toutes ces choses-là. Jusqu'au jour où il lisait, il a vu qu'ils s'écoulèrent 68 ans. Il venait d'accomplir. Il ne restait que 2 ans. Afin que toutes les années soient accomplies. Afin qu'ils sortent de la servitude. Et quand il a vu comme ça, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel mon Dieu, je lui fis cette confession et ainsi de suite. Maintenant, au verset 20, je parlais encore. Je priais. Je confessais mon péché. Le péché de mon peuple d'Israël. Le péché de son peuple d'Israël. Samarie. Amen. Oui. Yo. J'ai présenté mes supplications. Voyez. À l'Éternel mon Dieu. En faveur de la sainte montagne de mon Dieu. J'ai parlé encore dans ma prière. Comme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole. Et comprends la révélation.
Amen. 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 Est-ce que c'est clair? C'est de cette manière que nous croyons. Maintenant, la parole qui est sortie ici, ça, ça y est, puis, Yangone est annoncé 70 semaines. C'est cette parole qui est annoncée 70 semaines. Yangone, verset 24. C'est ça au verset 24. 70 semaines. Bah, pour ce tout ensemble. Et non pas 70 années. Quand c'était mis tout ensemble. Mais ces 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Le peuple de Daniel, les Akajidate, mais à Israël et Mobimba. Toutes les 12 tribus. Et cela pour faire cesser les transgressions et ainsi de suite. Arrivé au verset 25. Sache-le donc. Et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur. Il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rebâtis en des temps fâchés. Amen. 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 Et encore, amen. 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 C'est ça, frère. Vous allez bon bande. Parole yo bazolo bawa. La parole dont on parle ici. Et ça parole yo Gabriel a dit qu'on s'appelle Yete. Ce n'est pas la parole que Gabriel venait l'annoncer. Té. Non. Awa esa parole oyo ekoya mpona ba rebâtir Jérusalem. Ici, il s'agit de la parole qui vient pour rebâtir Jérusalem. Même le temple. Même le temple. Parole est oui, Bimaki n'a noté. Cette parole n'était pas mais encore sortie. Mais il que. Mais on lui a annoncé que. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment Moutatango. Où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Est-ce que ça pour les. Est-ce que c'est clair? Voilà. C'est cela. Mais Nathan Oyo, Awa, Daniel Azo Komawa, Jérusalem nano batongite. Jérusalem n'était pas encore. Azalaki on a 68e année à captivité. Parce que s'il était dans la 68e année de captivité, pour na kobanda kotonga. Il n'était même pas encore sorti. Mais prophétie est bimi. Mais la prophétie est sortie. Qu'il y aura une parole qui sortira. C'était kozoma lobomoko ekobima. Kolobanantine ya rebâtir Jérusalem. Au sujet de même pour établir le temple. Pour le roi de Bougan. Nechare a baby saki avant bangobaya na Babylone na captivité avant qu'elle ne vienne à Babylone dans captivité. C'est ça. Zabong. Amen. Amen. Et l'obi totangaki quand même hier quand même nous avons lu na Nehemi dans Nehemi dingue bapesaki mikanda comment on lui avait donné des lettres na mukunzi par le roi. Mpoete akende kosala mosala mona. Afin qu'il aille faire ce travail-là. Mais il y a aussi une parole. Quand ces hommes pèlent le bamoko. Voilà. C'est cela. Yangoy. C'est ici. Yangoy na lingaki tutanga yango. C'est ce que j'ai voulu que nous puissions lire cela. Nomone. Vous voyez? Esdras. Esdras chapitre 1. Esdras chapitre 1. La première année de Cyrus, roi de Perse. Ambule ali bosu ya mokonzi Cyrus mokonzi ya Perse. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel. Natina ete eko kisama loba na Yahweh. Prononcée par la bouche de Jérémie. Oui, sangela maki na monoko ya Jérémie. Vous voyez? Bomoni. Parole wa. Liloba wana eko kisama. Oui, s'accomplit. Que Boula tout ça, Mouikoki,
les 70 ans sont accomplis, maintenant ils doivent pour rétablir toutes ces ruines là. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses, qui fit faire de vives voix. Et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, Yahvé, le Dieu des cieux, Zambango ya balola, m'a donné tout le royaume de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison ya kotongele enda kumoko en Jérusalem. À Jérusalem, en Juda. À Jérusalem, à Kati na Juda. Voyez, frère. Moi, je vais. Qui d'entre vous et de son peuple, du peuple de Dieu, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tous les lieux où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Nous avons vu d'abord écrit à roi Kopesaka Epaïa Némi. Donna à Némi. Et encore, roi Cyrus. Le roi Cyrus. Abimsia Yeliloba. Il a sorti aussi sa parole. Pour la reconstruction du temps. Pour la reconstruction du temps. Mais c'était le même moment. Amen. Amen. Est-ce que ça pour l'élève? Est-ce que c'est clair? Oui, frère. Yobandeko. Maintenant, les chefs de la famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, s'élevèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Mais autre traduction, ils ont le bâti pour bâtir, ne parle pas de bâtir, mais pour rebâtir, pour rebâtir. Parce que Moto a bâti ça qui, c'était Salomon. Nebuchadnezzar a détruit. Mais Nathan ou Asheris, c'est ça que les choses qu'on bâtir, mais qu'on rebâtir. C'était plus bâtir, mais c'était rebâtir. Qu'on construire, mais qu'on reconstruire. Pas construire, mais reconstruire. Amen. 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 Est-ce que ça pour les... Est-ce que c'est clair? Bisous tous ont demandé d'engue ouan. C'est comme ça que nous croyons. Il y a eu d'abord prophétie, hein. Daniel, il y a Jérémie, il y a d'abord la prophétie, concernant 70 ans. Ça ne concernait que le royaume appelé le royaume de Juda. Ils iront en captivité. Mais Israël est bobimbaté. Mais pas tout Israël. Sikoyo, kuna na Babylone, la Babylone. Daniel. Simaya mabondeli na ye Zambia ya noliye Dieu l'a exaucé. Aye ko pepo ya bondela ke po na peuple na ye mobimba. Parce que lui a prié pour ya bondela ke po na Judate. Il a prié seulement ya bondela ke po na peuple na ye ya Israël. Il a prié pour son peuple. Na ye, dans sa prière, il a inclus même les 10 autres tribus. Il a inclus même les 10 autres et tribus. Et tant Zambia a pas eu réponse. Lorsque Dieu lui a donné la réponse. Aya noliye ka ka po na Judate. Il lui a pas répondu seulement pour Juda. Mais aya noliye po na Israël tout entier. Et aussi pour Israël. Le tout entier. À la qui Israël, pas pour ce tout coup, sambo. 70 semaines. Ah, c'est cela. À la qui bango pour ce tout coup, ça. Il a promis 70 semaines.
Bambula tuku sambo ezaki po na jide yango moko. 70 ans. Esi ekokisa maki na tango wana. C'était déjà complet. Bakendeki na Babylon. Ils sont allés à Babylone. Mais avant Babima na Babylone, bajonga na mabele na bango. Avant qu'il ne sorte de Babylone. Prophétie mosusu eyaka. Notre prophétie. Nanjira ya Daniel. Par Daniel. Mpo na ba aposto tuku sambo. Pour les 70 ans. Oye, talelaki Israël mobile. Qui concernait tout Israël. Est-ce que ça peut l'être? Est-ce que c'est clair? Biso toujours demandé dengue. C'est comme ça que nous croyons. Je crois que Tokoko Sukawa. Je crois que nous pouvons nous arrêter là. Tokoko Telema Tobonde. Nous pouvons nous lever et prier. Ouais. Yo. Ezande bongo. C'est comme ça. Amen. Nous allons prier à présent. Engebene na liloba na nkolo. Conformant la parole du Seigneur. Ouais. Yo. Mais Dieu voilà. Zambe koninga ka. Aussi des éléments. Il y aura aussi des éléments. Chacun a quoi que soit bonne note. Il faudra que chacun puisse prendre bonne note. Mais pour aller là, aujourd'hui, notre temps est accompli. Et puis, Tokoki Ata Kusukawana. Nous pouvons même nous arrêter là. Et puis j'ai dit ceci Benaloba avant parole, parce qu'il y a des paroles. Décret nano, oyo etaleni reconstruction à Jérusalem. Le décret d'abord qui concernait la reconstruction de Jérusalem. Et puis, décret à Cyrus, koutalelaka, reconstruction ya temple. Et le décret d'Assyrus concernant la reconstruction du temple. Voilà. C'est cela. Mais en rapport avec la prophétie de Daniel, la parole, l'iloba. La première parole qui devait sortir, il y a reconstruction, il y a Jérusalem. C'était pour la reconstruction de Jérusalem. Mais la parole, il y a eu Bima Nassima pour la reconstruction, il y a temple. Mais la parole, il y a eu Bima Nassima. La reconstruction du temple est venue ensuite. Parce qu'avant qu'on temple, parce qu'avant qu'on construise le temple, avant Jérusalem et avant tout, on a reconstruit Jérusalem. Et de Baye Kotonga temple. C'est juste après qu'ils ont construit le temple. Prions le Seigneur. Tobone l'encolo. Onja. Yonde tata yankolo nabiso Yesu Christ. Nazali kotondo pe nazali est inspiré de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire. Merci. Oh, Njambe Nabiso. Dirobanayo, Dikoko Sakate. Ozan Zambe Yasolo. Olo Baka Solo. Diroba, Oyobimisaki Namonoko ya Jérémy. Dikoki Samak. Pelirobo, Oyobimisaki Namonoko ya Daniel. D'ici la kobanda koko kisama. Et tout tigali na poso moko ya pamba
Seigneur, Daniel, Nanjela ya mwanje, Uta, Ntango lilobaliko bima pona kotonga, Yerusalem, Peto mona kilobilo leke, Seigneur, Nanemi, Dekre e katamaka, Dekre e katamaka, E dekre wane zaki lilobaya mokonji, Likomaki ya kokomama, Pe yangone sakulamaka na territoire mobimba, Pour Jérusalem est rebâti. Ce n'est qu'ensuite, à ce risque, à Kokakibongo, Koya Kosana a décret pour la reconstruction, il y a temple. Mais il y a eu premièrement, la reconstruction de ta ville sainte. Merci beaucoup. Ozoankembo, Lukumu, Pe Masanjoli. Pour ensemble, Mokoya Solo, Pe bon seko. Et bidaka yo pesibiso, tondimi, to yebite, oyo toko tanga wana, ikokisama, oyo pesa natina nabiso, yango perokola, ikokokisama. Pesa biso kondima, to tonga mawana, to kanga mawana, to longwate, kino, to kwerite, pa promesse. Na kombura yesu konabiso, de to sengi bongo. De konabiso amubali, Notre frère Calé peut venir prier. Nous te disons encore une fois merci. Car tu as été au milieu de nous. Tu nous as parlé. Quand toi tu promets, tu as toujours accompli, Seigneur. Tu avais annoncé les 70 ans de captivité d'Israël, de Juda. Toi, tu devais l'accomplir car de ta bouche ne sort jamais mensonge. Tu nous as montré qu'Anania qui s'était aventuré pour contredire la prophétie, tu l'avais retiré de cette terre. Car tout le monde doit te craindre. Amen. Quand toi tu parles, chacun doit dire amen. 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 Et obéir à ta parole. Amen. Merci Père. Matonde, tata. Pour ces instructions. Bonne. Donne-nous la crainte de Dieu. Mm. Car c'est ça la fin de toute prédication. Amen. Tu veux que tout le monde te craigne. Amen. Car tu es le seul vrai Dieu. Amen. Et ta parole est la vérité. Amen. La pure vérité. Amen. Tous les hommes sont des menteurs. Amen. Mais toi tu es le véritable. Ta parole, c'est la vie même. Écris-la dans nos cœurs. Amen. Tous les jours de notre vie terrestre. Que nous puissions vivre ta parole. Merci, Père. Pour ton onction. Amen. Qui a été sur ton serviteur. Amen. Et sur toute l'assemblée. Alléluia. Et tu nous as aussi parlé. Alléluia. Des 70 semaines de Daniel. Alléluia. Des prophéties que toi tu avais annoncées. Alléluia. Des prophéties que toi tu as toujours accomplies, Seigneur. Amen. Chacune en son temps. Amen. Même les promesses que nous avons pour nous l'épouse, Amen. Nous nous accrochons à cela. Alléluia. Comme Abraham avait cru à ce que toi tu avais promis. Amen. Car il savait que tout ce que Dieu promet, Amen. Il l'accomplit. Amen. Tu nous avais promis le Saint-Esprit. Amen. Tu nous l'as envoyé. Amen.
Tu nous as promis l'enlèvement. Et nous savons que l'un de ces jours, cela s'accomplira. Que notre foi ne puisse jamais faillir. Augmente-nous la foi tous les jours. Pour nous rapprocher davantage de toi. Merci, ô notre Dieu, pour des bonnes paroles du salut. Car tu nous as destiné le ciel en nous promettant que tu allais nous préparer une place sur la terre, même si nous n'avons jamais construit de maison, même si nous sommes des locataires. Dis-moi, nous avons la joie car au ciel chacun de nous a une villa que personne d'autre ne peut occuper. Merci notre Père. Nous nous abandonnons entre tes mains. Sois avec nous aujourd'hui et à jamais. Que ta main forte puisse tenir nos mains faibles pour nous faire marcher sur cette terre. Nous sommes entourés par beaucoup d'ennemis. Les ennemis de la croix qui font tout pour retirer tes enfants du chemin dans leur vie à travers les faux enseignements. Mais toi, tu prends soin de nous et tu nous donnes des hommes qui nous enseignent la vérité. Sois glorifié pour cela, Père. Et que notre cœur puisse être rempli ce soir de la joie de ton salut. Amen. Accorde-le à chacun. Guéris chaque âme malade, car la parole que nous venons de recevoir est un vaccin. Amen. Contre la maladie du péché. Amen. Et guérit aussi les corps. Amen. Et fortifie chacun. Amen. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Que l'église dise amen. Et alléluia. Et alléluia. En tout cas, nous pouvons nous asseoir, en tout cas, pardonner. Est-ce que frère John Kibala Azali? Est-ce que frère John Hello? Kibala est là? Frère John Kibala? Frère John Kibala? Azate. Il n'est pas. Ça va. Boye, te kokoya ko tindika lo yembo.